Yo les gens, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'unboxing sur la GeForce GTX 1050 Ti de chez MSI. Donc on va procéder à l'unboxing et suivi d'un petit test sûrement sur un petit gameplay. Voilà, je vous laisse avec l'intro et on se reprend tout de suite. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo de l'unboxing. Alors je procède à l'ouverture de la boîte. Alors bon, on est à une main donc ça va être compliqué, mais on va réussir. J'aimerais préciser que la boîte elle est vraiment très belle. Elle est vraiment très belle, bien, bien finie. Le design est vraiment stylé. Du coup, on va passer à la carte graphique en elle-même. Hein. Donc, je suis suivi d'une petite boîte noire, très sobre. Donc là, il y a le petit CD d'installation. MSI. Côté, on a petite protection pour la carte graphique qui se trouve en dessous, au fond de la boîte. Donc là voilà, la fameuse carte graphique GTX 1050 Titan de chez MSI. Voilà à quoi elle ressemble. Je fais une petite mise au point. Et voilà. Bon, elle est très 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 stylée. J'aime bien. J'aime vraiment bien le design. Donc là, on peut voir sur l'eau des petites LED qui s'allumeront quand elle sera branchée au PC. Voilà. Voilà, donc on se retrouve juste après pour un petit test gameplay. Pour voir ce que ça donne en jeu. Allez, à tout de suite. Nulle part.
Regardez à travers les yeux du dragon. Prenez pince. Je suis un rétabli. Les héros ne meurent. Ah, eh ben, j'avais jamais encore vu. Regardez à travers. Encore 60 secondes. Je suis prête à vous ramener à la vie. On me cherche ? Prenez pince. Accroyez dans ma ligne de mire. Marqué par le dragon. Plus m'arrêter. Suivez mon regard.
30 secondes. Personne n'échappe à mon regard. Le convoi a atteint le point de contrôle. Attention à la marche. Suivez mon regard. C'est mon petit cadeau. Personne n'échappe à mon regard. Encore 60 secondes.
Voilà les gens, donc j'espère que la vidéo ainsi que le gameplay vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. En tout cas, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.